Salut et bienvenue pour cette nouvelle pause caté. Alors, on prie, on se remet au Seigneur, afin qu'il puisse vraiment travailler nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, viens nous fortifier, marche avec nous dans ce chemin de préparation vers Pâques, afin que nous puissions rebondir en ta présence et être comblés de ta joie en fêtant ta résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'ai pensé de commencer avec un petit défi vocabulaire. C'est parti, on va voir qui va gagner. Alors, premier mot. Quelle est la fête la plus importante pour un chrétien, un catholique? Alors, bravo, c'est la Pâque. La résurrection de Jésus. Ah, pas mal, 1 à 0 pourtant. Deuxième mot. Alors, si je te dis Mardi Gras, carnaval, qu'est-ce que tu me réponds? Ah, ça tu le sais, hein, je vois. Un peu de fête, on mange des sucreries. Ah oui, on aime bien le carnaval. Top, ok, encore un point pour toi. Troisième mot. Mercredi des cendres. Ah, ça, tu vas. Mercredi des cendres. Ça, je crois que tu sais pas. Ah oui, bon. Oui, bravo. Ah oui, c'est ça. C'est le lendemain de carnaval. Ça commence le carême. Eh oui, tu as raison. On se fait signer d'une petite croix de cendres. Ok, bravo. Ah, mais là, tu es préparé, je vois. Eh bien, au fait, mais c'est quoi alors le carême? Alors, il y a quelqu'un qui veut me répondre, je regarde un peu. Santin, viens, vas-y, c'est ton tour là. Oui, je peux essayer, j'arrive. Alors, le carême commence le mercredi des cendres, voilà, c'est le jour après carnaval. Et normalement, justement, on va à l'église et le prêtre nous met un peu de cendre sur la tête et nous invite à la conversion. Il nous invite à revenir sur le bon chemin, à s'approcher un peu plus de Dieu, de prier un peu plus, et puis d'aider un peu plus les autres, de mettre un peu de côté le superflu. Et voilà, je me suis un peu embrouillée, je ne sais plus où je suis. Bon, c'est pas grave. Bon, d'accord, je te laisse continuer, chère Nicoletta. À bientôt, les amis. Ciao, 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 ciao. Merci, mais très bien, Santin. Voilà, tu n'as donné l'idée. Et oui, c'est vrai. Carême, c'est ce temps privilégié qui va nous préparer à la plus belle et grande fête pour nous, la fête de Pâques. Jésus, ressuscité, il est vainqueur de la mort. Par sa vie, il nous renouvelle, il nous remet debout. Il nous ouvre les portes du ciel, etc. Bon, on parlera de la Pâque, hein, dans une autre pause cadée. Alors, 40 jours. 40 jours, c'est un chiffre vraiment symbolique, ça revient plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais l'épisode de référence pour le carême, c'est surtout les 40 jours de Jésus au désert. Et si tu ne te souviens pas trop de quoi il s'agit, je t'invite à regarder la pause cadée, hashtag 32. Bien, on avance. 40 jours pour se reconnecter à Dieu. Mais pour se reconnecter aussi à nous-mêmes et aux autres. Et oui, on pourrait dire comme un grand rangement dans notre vie. On prend le temps pour se poser, pour faire un peu de désert, ça veut dire pour se mettre un peu peut-être à l'écart, pour prendre un peu plus de silence, de temps de silence, pour réfléchir. Où nous en sommes dans notre vie par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres? Comment j'agis? Comment je emploie mon temps? Et voilà, c'est ça le carême. Puisque c'est aussi un temps de, on pourrait dire, de pénitence, où on se prive de telle ou telle petite chose, souvent ce temps est pris comme un temps de tristesse. On est un peu triste parce qu'on ne peut pas faire ça, on n'aurait pas ceci, pas cela. Et alors, on l'a étiqueté comme un temps un peu sombre, quoi, un peu gris. Et en plus, ces cendres grises, là, qui nous disent, voilà, convertis-toi, tu es poussière. Peut-être ça nous fait un peu trembler.
Mais il faut le voir comme une opportunité pour s'approcher de Dieu, pour faire le tri, voyez, pour recycler un peu les choses, voir ce qui est bien, ce qui nous fait grandir, et ce qui n'est pas bien, il ne nous fait pas bien, pour remettre les choses à sa place. Alors concrètement, comment se reconnecter à Dieu? Eh bien, par la prière. Je prends plus de temps pour Dieu. Je prie un peu plus. Ou peut-être, je peux améliorer la qualité de ma prière. Comment me reconnecter à moi-même? Avoir un peu de jeûne. Peut-être pas forcément de plus manger, parce que je tombe dans les pommes et voilà. Hein? On sait déjà ce que ça donne. Mais je peux me priver de quelques petites choses à laquelle j'ai donné trop de place dans ma vie, qui m'éloigne de l'essentiel. Par exemple, je peux mettre un peu de côté, un peu de jeûne de ma console, de prendre le temps pour faire des choses qui m'aident à grandir. Ou ça peut être simplement manger aussi quelque chose que j'aime pas trop. Ou si par exemple, j'ai l'habitude de prendre pendant mon petit-déj, par exemple, au petit-déj, du pain avec de la confiture. J'adore la confiture, j'aime la confiture. Et du coup, maman me dit, ah, j'ai oublié d'acheter de la confiture, j'en ai plus. Et tu fais, des caprices parce que tu veux la confiture. Et tu dis, ah, je prends pas mon petit-déj parce que je veux la confiture. Eh bien, une forme de jeûne, ça pourrait être, d'accord, je n'ai pas la confiture, ce n'est pas si essentiel. Je peux manger du pain avec du beurre. Ah ben, ça peut être aussi une forme de jeûne. Vous voyez, à lever tout ce qui est devenu trop central dans ma vie. Hein? Faire des petits efforts de carême. Hein? J'élimine ça, un peu moins de ceci, pour me reconnecter à moi-même. Pour voir si je suis encore, voilà, moi qui fais le choix dans ma vie de ce qui est bon. Et puis, se reconnecter avec les autres. Et comment je peux me reconnecter avec les autres? L'Église nous propose l'aumône. Ça veut dire donner quelque peu d'argent à ceux qui ont plus besoin, qui sont dans le besoin. Et même, sœur, mais moi, je n'ai pas de sous, je n'ai rien, je suis fauchée, je suis un enfant. Eh bien, ça pourrait être donner du temps, donner de l'attention. Voyez, l'aumône, ben, c'est l'amour envers les autres. Et je peux les aimer de plusieurs façons. Je peux aider un peu maman dans le ménage. Je peux appeler plus souvent ma grand-mère qui est toute seule. Je peux aider un copain à l'école à faire ses devoirs, etc. Je te laisse, voilà, le choix. Demande l'Esprit Saint et sois créatif. Tout ce que nous pouvons faire, voilà, pour nous reconnecter à Dieu avec nous et avec les autres, c'est bienvenu. Et voilà, c'est pour nous mieux préparer pour cette belle fête de là-bas. Que c'est un chemin qu'on fait dans la paix, dans la joie. Même si la couleur de ce temps qui nous prépare à Pâques et qui nous aide à nous tourner mieux vers Dieu est dans la couleur violet. C'est un peu pas si joyeuse, c'est une couleur plus simple, mais dans notre cœur, nous faisons cette démarche pour nous unir à Jésus. Et quand on fait les choses pour le Seigneur, il faut les faire dans la joie, dans la gratuité, hein, sans se pleurer dessus. Alors, est-ce que c'est Sœur Nicoletta qui a inventé les piliers du carême? Le jeûne, la prière, l'aumône? Non. Tout cela, nous pouvons le retrouver dans l'Évangile. Voilà, c'est l'Évangile, notre carte, qui va nous accompagner, nous aider. Du coup, lisons un peu plus la parole de Dieu, mais surtout, mettons-la en pratique dans l'amour et dans la joie. Eh bien, je crois de n'avoir rien oublié. Merci pour votre attention. Si vous avez des doutes, on est là. Et que le Seigneur, pour moi, vous fortifie dans ce temps de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, reste avec nous pendant tout ce temps. Aide-nous à te rechoisir, à savoir, à comprendre qu'est-ce que c'est essentiel dans notre vie. Donne-nous un cœur grand ouvert pour t'accueillir et viens bénir nos familles.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.